Salut mes sœurs, ma sœur Gaines. Eh bien, ma couleur, c'est mon accent. Et puisque je l'ai gardé, autant en profiter pour en faire quelque chose. Et moi, j'ai décidé d'en profiter pour alsacianiser le monde. À commencer par son nombril, Paris. Parce qu'avec les parigots, il y a du boulot. Oh, tu viens d'Alsace. Le marché de Noël de Strasbourg, j'adore. Attends, Strasbourg, c'est bien chez toi ou c'est en Allemagne? Alors, je leur explique que l'Alsace, c'est cette contrée exotique qui s'est développée tout autour du marché de Noël de Strasbourg. Là où ils vont quand ils n'ont pas l'argent pour aller aux Maldives ou à Courchevel. Ils passent 3 jours à faire le tour du marché pour revenir avec un magnifique exemplaire d'artisanat alsacien, made in China. Pourtant, on va voir ensemble qu'il se passe des choses fabuleuses en Alsace, même en dehors de la période de Noël. Donc c'est ce qui va se passer un petit peu dans ce lieu prestigieux. Et oui, je vais pouvoir dire maintenant, oui, moi aussi j'ai fait l'école alsacienne. Et ça c'est grâce à la GAL. Alors la GAL, c'est pas une fondation de lutte contre la GAL. C'est l'association des Alsaciens et des Lorrains, de Paris. Donc ce soir, je ne vais pas respecter le minimum syndical de 3 scuds anti-lorrains par spectacle. Non, ce soir, on est dans la réconciliation. Parce que quand même, la GAL, c'est la plus ancienne association de Paris. Fondée en 1871 pour aider les Alsaciens et les Lorrains qui voulaient rester français à s'implanter dans la capitale. Alors comme Nicolas vous l'a raconté, bon, la mission a un petit peu évolué, maintenant c'est surtout pour faire des événements, des bourses, des stand-dish, des spectacles, pour recréer l'ambiance alsacienne à Paris. Alors là pour l'instant, on est dans une ambiance plutôt parisienne. Je dirais même une ambiance 49-3. Moi je veux une ambiance Racing Club de Strasbourg. Donc à mon signal, vous allez vous lever. Vous allez taper des mains et des pieds. Vous allez crier Katoche, Katoche. On n'est pas 100, on est 100 000. Allez, on y va, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Cet événement et qui a beaucoup œuvré pour rénover cette association ancestrale. Parce que je peux vous dire que quand moi je suis allée à mon premier stand-dish, ça n'avait rien à voir. Moyenne d'âge 150 ans. Et à 20h, tout le monde avait mangé, payé, dégagé. Moi, à 20h, ma soirée, elle commence, quoi. Et tout ça, c'est grâce à Martine, notre vice-présidente. Oui. Martine qui a donné de sa personne pour aller draguer les supporters du Racing. Bon, qui perd à chaque fois qu'elle vient, mais ça, c'est un autre problème. On peut l'applaudir encore une fois. Merci, bien sûr, à notre président Nicolas.
m'a engagé pour cette soirée, mais il m'a prévenu. Attention, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour amuser les autres. Donc moi j'ai essayé, voilà, on peut l'applaudir tout à fait. Donc moi j'ai essayé d'appliquer ce slogan typiquement alsacien de la maison de l'Alsace en étant sérieusement convivial. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Et parler du spectacle autour de vous. Surtout que je vais partir alsacianiser les Français de l'intérieur. Ouais. Avec ce spectacle, mais aussi avec mon nouveau spectacle. Donc tout ça, qui s'appelle 1965. Et là, on est plus dans une confrontation éducation à l'adolto versus éducation à l'alsacienne. Donc tout un programme et toutes ces informations, vous les trouverez sur katoche.com. Pensez à moi pour vos événements. Parce que moi, je fais tout, hein. Anniversaire, séminaire, croisière, fête de la bière, bar mitzvah, même si ça rime pas. Et rappelez-vous, une heure payée, 12 heures gratuites. Première fois. Merci. Merci beaucoup.